Bonjour, c'est Licat, bienvenue sur la chaîne Je m'éclate. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu encore compétitif, en mode duel, mais qui peut se jouer de 2 à 6 joueurs. Il s'agit de Vilenus, édité aux éditions Wonderforge, qui peut se jouer... alors, est-ce qu'il y a marqué l'âge quelque part, hein, je ne l'ai pas vu. Je vais essayer de trouver ça. À partir de 10 ans, voilà, pour des parties d'environ 20 minutes par joueur. Alors, ce qui a été dit et par rapport à ce jeu, c'est que à 2, 3, 4 joueurs, c'est encore, jusqu'à 4 joueurs, c'est encore un très bon jeu. Et à partir de 5 et 6, ça peut être très long, parce qu'ils disent environ 20 minutes par joueur. Et vous allez voir le concept du jeu, cela peut être très 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 long s'il y a beaucoup de joueurs. Et notamment des joueurs qui savent jouer, des joueurs qui ne savent pas jouer. Ça rajoute énormément de temps entre chaque tour où on doit jouer. Mais vous allez voir pourquoi. Alors, on est dans l'univers Disney, il en existe un dans l'univers Marvel. Pour l'instant, je considère que je vais rester dans celui de Disney. Parce que les jeux me plaisent. J'ai acheté d'ailleurs les deux prochaines extensions. Je vais vous présenter le matériel et après on va rentrer un peu plus en détail. Sachant que au niveau de la boîte, c'est assez sympathique, on voit Maléfice en fond ici. C'est un petit peu en relief, c'est sympa. Alors c'est aussi Ravensburger, je crois, qui est dans le coup, il me semble. Ce qui est assez étonnant parce qu'ils produisaient souvent des jeux plus classiques, plus ancienne génération, on va dire. Alors que celui-ci est vraiment, vraiment intéressant et dit nouvelle génération. Juste pour vous dire que, comme son nom l'indique, Vilenus, on va jouer des méchants. Alors, dans cette boîte, il y aura Capitaine Crochet, Maléfique, Jafar, la Reine de Cœur, Prince Jean et Ursula. Donc, on est dans l'univers de Peter Pan, la Belle au Bois Dormant, Aladdin, la Petite Sirène, Robin des Bois et Alice au Pays des Merveilles. Déjà, rien que ça, on pourrait se dire, waouh, si on est un peu fan de Disney, ça doit être sympa. Et de prime abord, je pensais que c'était bien plus enfantin que ça, mais vous allez voir que c'est à la fois intéressant pour l'univers Disney et à la fois intéressant par rapport au système du jeu. Donc, la boîte. On a une notice règle du jeu avec le principe du jeu. Que je vais un petit peu balayer rapidement aussi. Alors, elle est bien faite. Et on peut aller chercher des informations. Il y a quand même des questions fréquentes. Donc, c'est bien fait. Mais la particularité du jeu, en fait, c'est que sous le fait qu'il y ait des règles de base, chaque plateau, chaque univers va avoir un petit peu ses règles à elle. Donc, on va voir ça un petit peu en détail. Alors, on a les 6 plateaux des 6 univers. On va avoir un plateau pour Ursula, sympathique, avec son royaume, avec 4 lieux qui sont dans le dessin animé, dans son royaume. Donc, il y a le repère d'Ursula, par exemple, le navire du prince Eric, le rivage et le palais. Ici sont représentées des actions possibles sur chaque case. Il y a des cartes qui retranscrivent et qui expliquent chaque action possible, mais ça vous le verrez dans les parties, on l'expliquera plus en détail. Et chaque plateau n'est pas constitué de la même façon, c'est-à-dire que Maléfique ici n'a pas les mêmes actions, pas les mêmes lieux forcément, c'est dans son univers, il y a la maison dans les bois, la montagne interdite, la forêt, le château du roi Stéphane. Mais pour chaque case, il y a des actions différentes en fait. Jafar, pareil, avec des belles illustrations. On est bien dans l'univers Disney. La Reine de Cœur, avec la maison du lapin blanc, le labyrinthe. Enfin voilà, c'est bien retranscrit au niveau univers. Et à chaque fois, toutes les actions sont placées différemment. Ce qui fait que chaque déjà plateau en lui-même a un intérêt différents selon les lieux qu'il y a. Ça, c'est pour les plateaux.
À chaque fois, il y a une petite, un petit texte par rapport à, au méchant, là, qui est assez sympathique aussi. Pour chaque méchant, on va retrouver aussi une figurine en plastique, en résine, je pense que c'est en résine, voilà, imprimée en résine 3D. Sympathique, car, parce qu'elle représente bien le personnage, tout en étant voilà, assez neutre, mais voilà, jolie, jolie et pratique. Cette figurine va nous servir, au départ, sur chaque plateau, elle sera placée dans la première case, et on devra déplacer la figurine à chaque tour pour aller faire les actions d'un lieu. Sachant que à chaque tour, on est obligé de se déplacer, on ne peut pas rester sur une case, sauf si une carte le permet, mais c'est très rare dans le jeu. Alors, donc il y a les 6 figurines. Oh, le prince Jean, capitaine Crochet, Ursula, alors, chacune à sa place, faut retrouver après, c'est tout. Hop, hop, je pense que ça va faire ça, je suis pas sûr. Hop, 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 je ne sais plus où je l'avais prise. Voilà, ça y est, c'est fait. Ensuite, on a un creuset. Je représente un peu un cratère ou voilà. Je vais mettre de côté la boîte. Hop. Dans ce cratère, on va venir mettre les ressources du jeu, qui sont des jetons pouvoir. On a pu voir que sur certaines cases, ces jetons pouvoir sont représentés et quand on vient sur la case, on peut avoir ces jetons pouvoir. Sur chaque case, on n'est pas obligé de faire les actions dans un ordre particulier, on peut les faire dans l'ordre que l'on veut, du moment qu'on les fait toutes qu'une fois. Ça, c'est une petite, voilà, une petite règle. Ces jetons donc, vont nous servir la plupart du temps à acheter des cartes. Alors, on va voir, on va prendre en exemple, je vais prendre en exemple, par exemple, Maléfique. Maléfique, elle va avoir ses cartes. Chaque personnage va avoir ses cartes. Alors, je vais retrouver celle de Maléfique. Tac. Je crois que c'est l'hiver, donc ça va pas. Voilà. Hop là. Voilà. Il va y avoir deux styles de cartes. Voilà. Pour chaque royaume, il va y avoir un paquet méchant. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 30 cartes. Et un paquet fatalité. Avec 15 cartes, je crois. 1, 2. Voilà, 15 cartes. On va les mettre de chaque côté. Notre paquet qui va nous servir va être ici. À chaque tour, on aura 4 cartes dans la main. Dans ces cartes, il va y avoir différents types de cartes, des alliés. Par exemple, ici, il y a Diablo, une corneille qui va être très utile à Maléfique. Il va y avoir, pour Maléfique, des cartes de malédiction. Il va y avoir des objets aussi, alors je vais essayer d'en trouver un, des événements et des objets, voilà. Donc il peut y avoir trois cartes, ou même 4. Hein. Et alors il y a des événements, des objets, il y a aussi, alors est-ce que je vais en trouver, voilà, des cartes conditions aussi. Alors, les alliés, comme dans tout jeu, vont nous servir à se battre ou avoir des propriétés. Tous les alliés vont être placés ici, dans les zones qui sont en bas, qui ne couvrent aucune case. On les achètera, bien sûr, au coût indiqué en haut, à moins qu'il y ait une carte qui dise qu'on payera un peu moins cher. Ensuite, il va y avoir, pour Maléfique, des malédictions
Alors, je crois que c'est quand même le même principe qu'un allié, qu'un objet, il me semble. Je sais plus. Ça fait un moment que j'ai pas joué Maléfique. Voilà. Elle, sa particularité, ses objectifs. D'ailleurs, je vais vous montrer. J'aurais dû le faire de suite. Pour chaque méchant, j'allais dire héros, mais c'est méchant, on a un petit livret qui explique les objectifs et les cartes importantes. Donc, en passant, allez, 2-3 minutes à lire un petit peu ça avant de jouer, quand on n'a jamais joué le personnage, on voit en gros vers où il faut aller, quoi. Donc on n'est pas en mode découverte totale et galère, quoi. Alors, dans ces 6 méchants, d'ailleurs, il y en a qui sont plus ou moins faciles à jouer, vous le verrez quand on présentera des parties. Prince Jean et Maléfique, par exemple, ça fait partie pour moi des méchants les plus faciles à jouer. Maléfique, pour moi, étant là une des plus puissantes d'ailleurs. Je vous ai parlé des cartes avec toutes les actions, elles sont ici. Et ensuite, il y a tous les objectifs des méchants derrière aussi pour savoir ce que l'autre est en train d'essayer de faire aussi, hein, pour essayer de le contrer. Donc ça, c'est bien fait, quoi. Donc je reviens sur mes cartes. On a des cartes malédiction, par exemple pour elle. On a des cartes événements qui sont jouées directement, alors qu'un allié va rester en bas, par exemple. On a aussi des objets qui vont être placés, qui peuvent être placés en bas où on veut. Ce n'est pas forcément à l'endroit où il y a un pion. Et il y a aussi des cartes conditions. Là, ça va être déclenché, par exemple, quand l'adversaire va faire quelque chose de particulier. Jouer défausser trois cartes ou voilà. À ce moment-là, si c'est la condition requise, on pourra, même si c'est pas notre tour, jouer cette carte condition. Mais ça, vous le verrez dans les parties. Alors, ça donc, c'est notre paquet méchant avec nos alliés qui font partie des méchants. De ce côté, on a le pack fatalité, en fait, qui va servir aux autres joueurs. C'est-à-dire que sur des cases, il y a des cases fatalité. Quand on joue, on tombe sur une case et qu'on fait une fatalité, on ne vient pas prendre dans notre paquet, on va aller chercher dans le paquet d'un autre joueur deux cartes. Et là, on va retrouver des héros, des événements, des objets aussi, qui sont propres à l'univers du méchant. C'est-à-dire que si quelqu'un me fait des fatalités, je vais me retrouver avec une carte, parce qu'on va piocher deux cartes. L'adversaire va piocher deux cartes. Et il va choisir dans ces deux-là laquelle il va nous faire. Des fois, il pourra nous en faire aucune, parce qu'il peut y avoir des conditions placées sur un allié. Si on n'a pas d'allié, ben, on ne peut pas placer la carte. Donc à ce moment-là, on défaussera les deux cartes. Les héros, ce sont les pendants des alliés pour nous, vont être placés cette fois sur les cases ici, c'est dessiné. Ce qui fait que ces héros vont non seulement avoir des propriétés, mais une force ici indiquée, mais aussi ils vont nous couvrir deux cases, deux actions qu'on ne pourra plus faire. Ce qui fait que, au fur et à mesure, au plus on va en placer, au plus on va limiter les actions, au plus ça va embêter le joueur. Après, si ça fait partie, s'il y a des actions qui sont vraiment particulières et qui permettent de remplir les conditions, il faudra vite s'en débarrasser. Comment on s'en débarrasse? On s'en débarrasse en plaçant par exemple un allié au même endroit. Et je vais vous donner deux exemples. Voilà. On est dans le cas où on a un allié sur ce lieu, un allié contre un héros par exemple. Ici, il y a une case qui permet de se battre. Alors, il ne faut pas aller ici pour que le combat ait lieu. Il faut aller chercher une action combattre. Ici. Donc, si on a l'envie d'éliminer cet allié pour récupérer notre case, il faut aller sur une case combat et il faut comparer uniquement la force qui est ici. Il faut être égal, au moins. Égal ou supérieur. Donc, ici, j'ai 3. Ici, j'ai 3. Donc, on défausse le héros, mais on défausse aussi notre allié. Ça fait partie des particularités, on va dire. Notre allié ne reste pas. C'est comme ça. Si, même si, par exemple, j'avais un allié à 4, c'est pas le fait que j'ai 3 et 3, même si j'ai un allié à 4, du moment que je l'utilise pour combattre,
je le défausse. Et ça nettoie un peu en haut et en bas. En bas, c'est pas trop intéressant pour nous, mais on n'a pas le choix. Alors, par exemple, pour Maléfique, ici, il y a même indiqué l'objectif. Au début de votre tour, il doit y avoir au moins une malédiction sur chaque lieu de votre royaume. Pour certains objectifs, il faudra attendre le tour prochain pour que, au début du tour, on remplisse la condition. C'est-à-dire qu'entre-temps, les adversaires pourront, par exemple ici, si elle arrivait à avoir 4 malédictions, une malédiction sur chaque lieu, quand je pose ma quatrième, je suis obligé d'attendre que les autres joueurs jouent, que ça revienne à moi pour gagner. Si entre-temps, ils arrivent à m'éliminer une malédiction, ça continue, il va falloir que j'en repose aux endroits où ça a été éliminé. Dans les héros, on retrouve des héros avec des capacités différentes, des héros plus ou moins méchants, et ça colle quand même énormément à l'univers du dessin animé. Voilà, on retrouve le prince Philippe, Aurore, Flora, Pimprenelle, Pâquerette, le roi Stéphane, le roi Hubert. Tout ça, et avec des illustrations qui sont bien appropriées et assez jolies. Ce qui fait que, même sans forcément au départ essayer de comprendre tout ce qui se passe, on est quand même dans le mode découverte et franchement, c'est pas mal, quoi. C'est bien fait, ça nous donne envie même d'essayer tous les héros, même si à un moment, il y en a un qui est difficile, on va vouloir l'essayer. C'est ce qu'on a fait au départ. On a commencé par le prince Zhang qui était conseillé, pour commencer. Et vous verrez pourquoi dans les parties. Et ensuite, eh ben, à force, on a dit, bah, tiens, celui-ci, je ne l'ai pas fait, donc je vais l'essayer. Et puis, on a fait énormément de parties à 2, à 3. On en a fait une à 4 qui a duré déjà relativement longtemps. Alors, il faut savoir aussi, mais ça, j'en parle plus. Là, c'est une présentation rapide. Les règles seront un peu plus approfondies dans les parties. Mais que pour compenser le fait qu'il y ait un premier joueur, il faut savoir que le joueur qui va commencer n'a aucun avantage. Le joueur, les deux prochains, je crois, ou le prochain va avoir une pièce au départ. Le joueur 2. Le joueur, s'il y a 3 et 4, vont avoir 2 pièces. Et s'il y a 5 et 6, ils vont avoir 3 pièces pour démarrer. Ce qui est pas mal parce que le premier joueur va avoir certainement un avantage. Donc, viendront assez rapidement des parties. On fera des parties avec les 6 héros, les 6, pardon, méchants, parce que c'est compliqué au départ. Les 6 méchants de cette boîte de base. Et ensuite, petit à petit, on essayera à chaque fois. Il y a 2 extensions avec 3 nouveaux méchants. On vous présentera les 3 méchants en essayant de vous présenter au maximum, surtout, les stratégies. Et après, en fin de partie, on vous expliquera aussi, si on peut, avec en n'étant pas des joueurs non plus professionnels, les avantages de chaque méchant et les stratégies pour essayer de... d'essayer d'aller le plus vite possible vers l'objectif, ce qui, selon les méchants, n'est pas évident du tout. Là-dedans, pour moi, je classerai Maléfique et le prince Jean, pour différentes raisons, dans les plus faciles à jouer au début. Surtout Maléfique, parce que ça peut aller très très vite. Ensuite, au niveau difficulté, le capitaine Crochet, je le trouve très intéressant parce que vous verrez, il y a beaucoup d'actions qui sont rajoutées. Après, les 3 autres, ce qui est bien, c'est qu'en fait, selon même les univers, il va y avoir une stratégie mais complètement différente. Alors au début, ça donne mal à la tête, mais si on la comprend bien et qu'on l'applique, en fait, ça peut aller aussi très vite. Mais ça, d'un personnage à l'autre, il faut remettre en cause ce qu'on a fait par rapport à notre personnage et essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. Par exemple, l'objectif de Jafar, ça va être, au début de votre tour, la lampe merveilleuse doit se trouver au palais du sultan et le génie doit être sous hypnose.
une phrase simple comme ça va engendrer plein de petites actions à faire, de cartes à avoir et un cheminement à faire. Au début, on va pas gagner avec ce personnage, mais après, une fois qu'on a compris la stratégie, on va comprendre d'autres choses, notamment que par exemple la case défausse est très importante. Parce que je vais quand même expliquer un tour rapidement, sans rentrer dans les détails par rapport au personnage. Je vais avoir 4 cartes, 1, 2, 3, 4, pour vous expliquer rapidement. On va déplacer, je vais faire exprès d'aller sur une case où il y a de la défausse. On va, par exemple, je me suis déplacé d'ici à ici, on va gagner une ressource. On va pouvoir jouer une carte de notre main, c'est-à-dire par exemple poser un allié, peu importe où, hein, je précise, je rappelle. Et ensuite, il me reste une fatalité. À ce moment-là, je vais prendre deux cartes chez fatalité chez un adversaire et peut-être lui en poser une sur le plateau ou lui faire un effet néfaste. Et la dernière action, c'est défausser. Donc la première action, en fait, consiste à se déplacer. La deuxième phase, c'est faire le maximum d'actions possibles sur le lieu où on s'est déplacé. Notamment, ma dernière action, défausser des cartes. On pourrait se dire, bah non, je ne vais pas défausser mes cartes. Selon les stratégies, il va falloir aller chercher le plus rapidement possible des cartes. Et à ce moment-là, quand il y a une case défausse, on peut en défausser autant qu'on veut. On peut les défausser et refaire une main. Une fois qu'on a fait toutes les actions et même la défausse, notre tour est quasiment fini, on repioche notre main de départ de 4. Pourquoi je dis dans cet ordre-là? C'est parce qu'on ne peut pas venir sur cette case, défausser des cartes, se refaire le paquet et continuer à faire les actions. On défausse, si on le défausse au début, si par exemple j'avais ces 4 cartes, je défaussais, je ne sais pas pourquoi, 3 cartes au début. Je garde ma carte jusqu'à la fin et c'est la seule que je peux utiliser par rapport à mes autres actions. Une fois que j'ai fini mon tour vraiment, on revient faire sa main et ça passe au joueur suivant. Donc on passe, chaque joueur va jouer sur son plateau et va essayer d'embêter l'autre joueur sur son plateau pour pas qu'il arrive à ses objectifs tout en essayant d'aller le plus vite possible vers nos objectifs. Voilà, j'espère que... Alors ça peut paraître un petit peu compliqué parce que je ne l'ai peut-être pas expliqué clairement, mais c'est un jeu dans l'univers Disney, je le rappelle, très 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 chouette, très intéressant. À la limite, non, pas pour moi, c'est pas du deck building parce qu'on n'achète pas de cartes. Mais voilà, c'est... Même si quelqu'un qui n'aime pas trop les jeux de cartes va trouver un intérêt dans ce jeu. Donc j'espère que bah, je vous ai peut-être donné envie de l'acheter. Je crois qu'il est à 40 euros, moins de 40 euros, il me semble, sur chez Philibert ou dans beaucoup de commerces classiques, on va dire, de jeux de société. Celui-ci, comme étant Ravensburger, est plus accessible en fait que beaucoup d'autres jeux plus particuliers. Donc je vous mettrai quoi qu'il arrive un lien vers Philibert si vous voulez aller voir. Ce qui permet, comme je vous l'ai rappelé, de participer à mon affiliation, ce qui vous enlève rien mais me donne un petit peu, ce qui permettra d'avoir d'autres jeux et de vous en présenter d'autres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bientôt, des parties avec ces personnages et ces plateaux pour vous montrer un maximum de choses et vous verrez qu'il est vraiment, vraiment passionnant. Je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, des pouces levés. N'hésitez pas à vous abonner. En attendant, dans ces temps particuliers, respectez et appliquez les gestes barrières, protégez-vous, protégez vos familles, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir!